Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Hands pour cette nouvelle vidéo. D'abord, je voulais vous remercier pour le suivi, pour vos abonnements, pour les partages, parce que la chaîne progresse tout doucement mais sûrement. Alors, n'oubliez pas de continuer à vous abonner, à partager un maximum, ça nous aide beaucoup. Et ensuite, on va revenir au sujet principal de cette vidéo, qui est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'offrir à des écoles, à des institutions, des associations qui s'occupent d'enfants, ainsi de suite, des fourmilières en tant qu'outil pédagogique. Alors, souvent, les responsables, les professeurs, les éducateurs ou autres sont intéressés par les fourmilières, mais ça coince au niveau du budget. Alors l'idée, c'est de faire participer un petit peu tout le monde, vous y compris, en mettant en place via la plateforme Tipeee un financement participatif. Donc le principe, c'est le suivant, c'est que à chaque fois que 150 euros seront récoltés sur la plateforme Tipeee, moi je construirai une fourmilière, j'y installe une colonie et je l'offre à une école. Donc les écoles seront sélectionnées comment? Au départ, je pense travailler géographiquement, donc simplement offrir d'abord dans les écoles les plus proches et m'éloigner progressivement. Après, si la demande est un peu plus forte que ce que je pense, on fonctionnera alors par liste d'attente. Il suffira de s'inscrire par mail en envoyant donc les coordonnées complètes de l'école, le nom de la personne de contact, mail, numéro de téléphone, ainsi de suite. Donc vous envoyez tout ça sur le mail julien@origin-hands.world. Donc julien@origin-hands.world. Vous retrouvez l'adresse en lien ici en dessous de la vidéo, ainsi que le lien vers la plateforme Tipeee. Donc vous nous envoyez votre inscription et là les fourmilières seront distribuées dans l'ordre chronologique des inscriptions, tout simplement en fonction de l'arrivée des dons. Donc l'idée est lancée, donc n'hésitez pas à partager un maximum le lien pour cette plateforme et cette vidéo qui explique un peu les tenants et aboutissants du projet. Là où j'aimerais vous mettre encore à contribution aussi, je sais que pas mal d'éleveurs ont chez eux un petit trop-plein de fondations qu'ils ont récoltées et certains ne veulent pas vendre simplement parce qu'ils estiment que la fourmi n'est pas un produit à vendre. Alors je ne juge pas, je ne critique pas, je ne prends pas parti ni d'un côté ni de l'autre, mais si éventuellement ils veulent que ces fourmis, ces fondations soient utilisées dans un but intéressant, à savoir dans une école, ils peuvent toujours m'envoyer le surplus de fondations ici chez Origin Hands, et ces fondations seront installées dans les fourmilières qui seront distribuées aux écoles. Alors au niveau des espèces, je suis ouvert à tout, mais pour les écoles, c'est quand même mieux de s'orienter plutôt vers des espèces ou exotiques ou méditerranéennes qui peuvent se passer de diapos, comme les messors, les clématogastères, les fédoles. C'est un peu difficile à gérer pour une école, je trouve, mais voilà, des espèces comme certaines Camponotus ou autres éventuellement, mais des espèces sans diapos, c'est mieux. Pourquoi? Parce que simplement, les écoles travaillant de septembre à juin, si la fourmilière est en stand-by de octobre à mars et en activité complète en juillet-août, c'est pas l'idéal au niveau du rythme forcément. Donc il vaut mieux, je pense, pour une école, une espèce qui sait se passer de diapose. Donc si certains d'entre vous ont un surplus de fondation de Messor barbarus par exemple, ou de Nicobarensis, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer. Ces fondations ne seront pas vendues, ce n'est pas le but, mais elles seront donc offertes aux écoles qui souhaitent avoir une fourmilière dans la classe. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit pour ce projet. Donc je compte sur vous pour, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, liker, partager, ainsi de suite. Et surtout, partager cette vidéo et le lien Tipeee pour le financement participatif, afin
de pouvoir offrir un maximum de fourmilières dans toutes les écoles de la région et peut-être plus loin si des écoles plus lointaines veulent participer. Donc là, si des écoles françaises par exemple veulent participer, il n'y a aucun problème. Vous vous inscrivez par mail et on travaillera alors par envoi et la fourmilière vous sera envoyée dès que le budget sera atteint. Voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter et n'oubliez pas, comme je vous dis toujours, de vous abonner, de liker, de partager un maximum, ça ne coûte rien et ça nous aide beaucoup. À bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, salut.